Anne Mélo-Cordonnier, je travaille au département juridique de la Société Générale depuis 17 ans. Ça va faire 3 ans, je pense, que je m'investis sur des sujets de mentorat et quelques mois avec Daniela. C'est complètement organisable entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je trouve que c'est un bon équilibre en tous les cas sur le temps investi, c'est assez souple. Ça fait du bien à titre personnel hein, de se sentir un peu utile. Je m'appelle Daniela, j'ai 21 ans, je suis en master finance et je suis aussi en stage en secteur bancaire. Anne m'a beaucoup aidée en tout ce qui concerne faire mon CV, faire ma lettre de motivation, enfin toutes des formalités, comment s'intégrer en entreprise, j'avais pas du tout les codes professionnels. Daniela m'avait passé son CV à revoir, donc là on avait discuté ensemble, elle était en recherche de stage. Donc j'avais essayé de voir comment un peu l'aider à orienter un peu ses recherches, voir si je pouvais aussi un petit peu l'aider à trouver. Article 1, c'est une association d'égalité des chances qui a plus d'une quinzaine d'années d'expertise sur l'accompagnement des jeunes. Donc l'asso développe différents programmes pour les accompagner de leur choix d'orientation jusqu'à leur insertion professionnelle. Le programme de mentorat s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans. L'idée, c'est de mettre en relation ces jeunes avec des mentors qui sont issus de nos entreprises partenaires, comme par exemple la Société Générale. L'objectif, c'est notamment qu'ils aient une relation qui dure sur le long terme pour que le mentor puisse accompagner le ou la mentorée tout au long de son parcours. Ça permet de voir vraiment des professionnels. Et quand on est étudiant, on a en face de nous que des professeurs. Donc vraiment voir des gens qui travaillent dans ce milieu, pas s'intégrer à un milieu en étant dans son coin. Et la seule manière de le faire, c'est d'être au contact des autres. Et connaître un professionnel, c'est inestimable.